Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Agence nationale de la case et tout petit de toute la France de nous associer à chaque célébration de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout petits. C'est un honneur pour Special Olympics d'être un partenaire de l'agence. Alors, revenir sur le thème de cette année, qui est l'éducation à la paix de la petite enfance. Pour nous, à Special Olympics, ce thème nous parle, car lorsque l'on éduque à la paix, on éduque à l'acceptation de la différence. Juste pour faire une petite présentation de Special Olympics, c'est une organisation qui offre pour l'inclusion dans le sport des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Donc cette éducation à la différence, pour nous, est primordiale. C'est ce qui permet de vivre ensemble. C'est ce qui permet des échanges. C'est ce qui permet de grandir dans un pays de paix. Mais tout d'abord dans une communauté. Parce que nous sommes d'abord une communauté avant d'être une nation. Si l'on se comprend dans notre communauté, on peut vivre dans une nation de paix. Et Madame la directrice, je tiens vraiment à vous remercier pour le choix de ce thème qui, pour nous, facilitera l'inclusion de notre cible, les enfants qui ont un handicap intellectuel et qui souvent sont relégués au second plan. Donc j'adhère totalement à ce thème, l'éducation à la paix. Et j'espère que cette éducation à la paix, qui se fait déjà, mais qui va être accentuée, pourra vraiment faciliter le vivre ensemble dans l'ensemble de la nation. Contrepart est une organisation qui est au Sénégal depuis plus de 20 ans. Nous intervenons dans le cadre de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Actuellement, nous mettons en œuvre un programme de cantine scolaire. Et qui dit cantine scolaire, on entend par là que chaque enfant ou chaque individu à l'école a droit au moins à un repas scolaire. Et donc, avec l'appui du gouvernement américain, nous intervenons dans la région de Saint-Louis, Olda et Sédou, avec un programme de nutrition, de distribution de repas scolaires, de construction d'infrastructures, des activités extrascolaires pour les enfants, pour leur permettre d'utiliser leur énergie aussi à l'école. Je ne cesserai jamais de remercier l'Agence nationale de la case des tout petits. Aujourd'hui, c'est grâce à Madame la directrice qu'on a une importante avancée dans le cadre de notre programme d'investissement. Et ceci a beaucoup fait progresser le projet. Et grâce aussi à la qualité de travail que les membres de l'agence fournissent avec beaucoup d'énergie et d'ambition, nous avons toujours eu de très bons résultats dans le cadre de nos interventions à tous les niveaux. Que ce soit au niveau opérationnel qu'au niveau stratégique. La paix comme thème vient à son heure. Nous savons que nous sommes un peu dans un moment de stress et si nous étions sûrs que ces enfants, dès le bas âge, et comme le dit ici le monsieur d'avant, dès le bas âge jusqu'à l'université qu'on leur inculque la paix, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau de stress. Et donc, c'est toujours avec plaisir et avec engagement que Counterpart International accompagne l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits dans toutes ses interventions. Nous ne parlons pas seulement des cantines scolaires, mais je pense dans tous les besoins ou requêtes venant de l'Agence de la nationale de la case des tout petits, Counterpart, c'est avec plaisir que nous nous engageons à vous accompagner. Félicitations pour la qualité du travail déjà que vous fournissez. Félicitations pour toutes les prestations et toute l'énergie que vous avez donnée ces dernières années à l'agence et aux tout petits spécifiquement.